Salut les gamers et les gameuses, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Retro Rylus Gaming, avec aujourd'hui Castlevania, le baiser du vampire, sorti sur Super NES seulement au Japon et aux États-Unis et jamais chez nous en France. Bon, la petite histoire que je passe. Bon, voilà, je vais lancer une petite partie tout de suite. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui ont été améliorées par rapport aux autres Castlevania, notamment le 4 sorti sur Super NES que nous avons eu. Mais celui-là, non, on l'a pas. Alors on commence tout de suite par une super musique. Ça, si c'est pas de la musique, c'est rien du tout. Bref, nous voici avec Simon Belmont. Donc on va tout de suite voir l'interface tout de suite. Donc notre barre de vie en haut, celle du boss de gauche du crâne, en dessous d'un autre. Ensuite dans le cercle va y avoir notre arme, nos cœurs. Si on appuie sur start, on a notre vie et nos scores. Mais on s'en fout. Et attention, voici le skill que nous n'avons jamais vu. Ah, raté. Celui-là, le saut arrière. Oui. Ce saut peut permettre de gagner pas mal de temps dans les tools assisted speedrun. Donc si vous voulez en faire un, utilisez ce saut, il est vraiment utile. Non. Ah voilà. Alors ici un truc que je vais montrer pas maintenant, je montrerai sûrement quand on arrivera au boss, ou je montrerai sans doute par pur accident. Il s'agit en fait d'une attaque spéciale qu'on peut faire avec les armes. Qui est dommage que nous on n'a pas eu. C'est vraiment dommage. On peut sauter dans les escaliers, classique. On s'arrache. On fait le skip. Voilà. Et attention, on le refait. Non, on rate. Ce skip est vraiment utile, j'ai un temps de me rater et de me prendre des dégâts comme pas possible. Voilà, et attention, est-ce que je l'esquive? Oui, je l'esquive et je raterai en arrière dans les escaliers. Est-ce que je fais pareil? Je fais pareil mais je me prends des dommages. Et là, je le réussis. Oui, j'aime faire mon genre, je sais tout faire. Ouais. Parce que dans le jeu, si tu maîtrises la technique du saut en arrière, mais tout devient possible. Si ce n'est que cette vidéo, normalement je devais vous en poster une autre, mais le temps d'upload est largement trop long, ce qui me paraît un petit peu bizarre. Pardon, ce qui me paraît donc un peu bizarre. Hop, on va détruire tous les ennemis avec ça. Qui me paraît donc un peu bizarre parce que j'avais déjà mis une vidéo qui était assez longue, qui mettait moins de temps. Et donc là, il m'a mis, je crois, 5 heures de DL pour upload. Donc je sais pas pourquoi, si c'est mon ordi qui va rendre l'âme, si y a un truc qui va pas, si la vidéo il y a trop de choses à mettre. Bref, du coup, vous aurez cette vidéo à la place. Mais ne vous inquiétez pas, la prochaine vidéo va sortir dans quelques temps. Et moi j'espère la semaine prochaine, si tout va bien. J'adore cette musique. Alors aussi une petite chose que j'ai détesté dans le jeu, c'est ces têtes de méduses qui sont extrêmement chiantes. Est-ce qu'il y en a une? Oui, il y en a une. Hop. Saut sur la plateforme. On atterrit. Alors, est-ce que je peux faire le saut arrière? Non, je peux pas. Là, il y a un cœur. Hop là. Non. Prends-moi ma croix. Oh putain. Bon, c'est pas grave, la croix je sais où est-ce qu'on peut, où est-ce que je peux la ravoir. Aïe. Aïe. Saloperie. Bon. Dégage.
vraiment con ce que je vais me faire. Hein. Ah, toi dégage. Ah, je suis deg, j'ai perdu la croix. Bon, alors là, on va se faire. On va. Run parce que. Il y a la bébête que je déteste, le behemoth. Qu'on peut attaquer, mais ça fait rien du tout. Et qui marche. Non, mais. D'accord, soit je suis très mauvais. Et pourtant, j'ai réussi à le passer, ça. Bon. Si j'y arrive pas, je vous fais une ellipse et je vous retrouve au boss. Rien à faire, je vous montre le boss. Je récupère quand même des cœurs, hein. Pas pressé. Des points. Un ennemi qui se suicide. La mort du behemoth. Alors attention, je vais me mettre juste devant. Hop, et voilà. Ah, la musique s'est arrêtée, que se passe-t-il? Ah, vous la sentez là. Vous sentez avec le décor là qui a changé. Que ça y est, on va avoir droit au boss. Au premier boss, et merde, regardez bien. Il nous laisse un laps de temps avant qu'on puisse reprendre l'arme si on a fait une erreur. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous montrer le coup spécial que nous propose ce jeu? Normalement oui. Alors attendez, attendez, attendez. Voilà. Voici Cerber. Alors attendez, je l'attaque. J'active le pouvoir. Voilà qui me permet de lancer des croix à l'infini. Et qui me coûte 15 avec les croix qui me coûtent relativement moins avec les autres armes. Alors c'est possible avec la hache pour 10 coeurs ainsi que pour le couteau. Et l'obénite, je crois pas qu'on puisse avoir de plus spécial. Voilà, un boss extrêmement facile. Ça, si vous y arrivez pas, vous êtes en terre roulée. Et voilà. Désolé de d'avoir dit que vous étiez déboulé si vous y arrêtez pas. Mais bon. Et voilà, la magnifique orbe rouge qui signifie qu'on a passé. Que on récupère. Alors j'ai oublié de dire qu'il n'y a pas de temps. Voilà, excusez-moi pour le son, mon jeu est pas très très clair. Bon, alors je vous ai montré le premier stage, c'est une vidéo assez courte quand même, vous aurez droit à 8 minutes et quelques. Alors j'ai oublié de dire que dans ce jeu, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de limite de temps, ce qui rend le jeu vraiment agréable pour planifier des stratégies. Il y a des systèmes de mot de passe en arrière-plan du stage qu'on a fini, qui nous permet d'aller au stage suivant si jamais on doit arrêter. Par exemple, vous êtes à l'avant-dernier boss, vous finissez le boss. Et pour le dernier stage, vous avez une mot de passe, vous le notez. Et soudain, paf, une coupure d'électricité. Et ben, dès qu'elle est remise, vous avez le mot de passe. Bref, merci d'avoir suivi cette vidéo qui sera courte. Désolé d'avance. De l'avoir aussi regardé jusqu'au bout. Mettez un commentaire si vous voulez me proposer un jeu. Je mettrai dans la description, si je le trouve, un Tool Assisted Speedrun de ce jeu. Et aussi le lien de mon émulateur, enfin de mon logiciel. Comme ça, vous pourrez jouer sur ce. Donc, commentaire, like, abonnez-vous pour les autres vidéos. Sinon, salut les gamers et merci d'avoir suivi. Salut!